Salut les gens, c'est Remonstor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pas sur Fortnite pour une fois, mais un unboxing de mon casque que j'ai commandé. Donc je vous mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. Et je l'ai testé, je l'ai ouvert pour tester, voilà. Donc je vais vous le montrer. Donc je suis désolé. Voilà. Voilà. Donc, il est emballé comme ceci. Voilà. Donc, je vais le sortir. Ça, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà le casque. Voilà, il existe en rouge et en bleu. Et moi, j'ai pris en rouge. Voilà. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez le casque très bien emballé. Voilà. Ça, on va y mettre là-bas. Maintenant, on va sortir le casque. Donc, vous avez la pochette papier bulle. Donc, ça, je trouve qu'ils ont bien fait de le mettre pour pas que ça l'abîme. Voilà. Avec ceci, vous avez un. Alors attendez, je vais vous le sortir. Avec, vous avez un adaptateur casque et micro, avec juste un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez le manuel d'utilisation comme ceci. Donc la marque, c'est le Hunter Spider, c'est le V1 Pro Gaming Headset. Voilà. Donc ensuite, vous avez un petit scratch pour attacher le fil. Donc il s'agit de ça. Voilà. Ensuite, vous avez des protections pour mettre ici pour pas abîmer. Donc vous avez celle-ci et celle-ci. Je vous expliquerai pourquoi il y a ça et ça juste après. Donc vous avez ça. Après, vous avez ça. Alors ça, c'est pour régler le volume. Et ça, c'est pour régler le micro. Voilà, là il est activé, là il est désactivé. Voilà. Ensuite, avec ce casque, nous avons le micro. Voilà. Voilà. Donc là, Hunter Spider, on retrouve la marque. La mousse. Et les coussins des oreilles. Donc il est vraiment confortable. Là, ici, vous avez des LED, donc multicolores, et des LED multicolores, pareil. Et je vais vous le montrer juste tout de suite. J'ai la switch qui est allumée. Voilà. Donc, je vous montre tout ça. Donc, pour commencer, j'enlève les protèges. Une petite voiture qui passe. Je branche tout ça. Et on se retrouve après. Donc, nous revoilà les gars. Donc, j'ai branché le micro, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous allez entendre le son. Je vais vous le rapprocher. Voilà. Je vais le baisser. Voilà. Donc, alors, la prise jack sert à mettre le son, à faire fonctionner les enceintes et le micro. Et la prise USB sert à faire fonctionner toute la LED. Donc il y en a une ici. Donc elles sont vraiment stylées, je trouve. Et ici. Voilà. Donc je vais couper la lumière. Voilà les lumières. On va attendre un petit peu. Voilà, ça change de couleur. C'est vraiment
très stylé. Je trouve que le design est super. Là, après, ici, c'est réglable. Ici aussi. Voilà. Le micro, vous pouvez le régler à la hauteur que vous voulez. C'est vraiment pas mal non plus. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout à vous abonner. Allez, ciao!